Yash, salut le petit Mougi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite review semi-live du chapitre 134 à nouveau, il n'y a pas d'erreur hein, de One Punch Man qui est sorti, parce qu'en fait notre petit Murata, et ça c'est aussi quelque chose qui est propre à son système de publication, bah, c'est lui voilà, qui gère un peu comme il veut, et là en l'occurrence, donc on le savait déjà quand le chapitre était sorti la première fois, quand je vous ai fait la première live reaction, c'était un peu précipité de ma part, je sais pas, quand le chapitre n'était pas complet, donc il y avait qu'une vingtaine de pages, donc là il est bel et bien, et d'ailleurs bah, Murata a sorti une P2 et une P3, donc aujourd'hui bah, on va reprendre la P2 en review classique, et on va faire la P3 en live reaction, comme ça au moins voilà, c'est carré, ça devrait pas prendre énormément de temps, mais qu'on est à fond dans le fight, d'ailleurs bah, voilà, le pitch de la P2, elle fait même pas 5 lignes, tu vois, pour le coup, pour reprendre ce qui s'est passé en plus, tu vois, depuis le début de ce chapitre-là, mais plein de bonnes choses en perspective. J'ai vu que vous aviez réagi dans les commentaires, donc voilà. Je me dis, il y a peut-être une certaine demande, donc voilà. Je vous fais cette petite review maintenant. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'oubliez pas encore une fois de réagir à fond dans les commentaires. Du coup, la P2 démarrait avec la suite du combat forcément de Tatsumaki contre Psychos, où cette dernière bah, reprenait un peu du poil de la bête après que Tatsumaki avait relâché pendant une microseconde sa vigilance. Bon, voilà, autant en profiter, elle a bien fait. Hein. Psychos aurait été à sa place, ou ça aurait été une situation inversée, voilà, ça aurait été la même chose. Et du coup, et ben là, au grand mot, les grands moyens, elle va l'enfermer dans une barrière pour être sûre qu'elle ne s'échappe pas. Donc voilà, tu peux voir beaucoup de références, Doflamingo, tout ça, la Birdcage, enfin plein de trucs. Hein, voilà, les barrières, c'est pas quelque chose que c'est enfin, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de très très souvent voir. Je suis sûr que j'avais même fait peut-être un parallèle il y a pas très très longtemps aussi avec une situation similaire. Bah, même dans Boruto, on l'avait vu il y a pas très très longtemps. Donc voilà, ouais, c'est quelque chose ouais, qui est toujours plaisant à voir et qui. Pas qui complexifie, mais qui fait monter en intensité forcément un fight. Et là, quand tu vois la dimension de ce fight-là. Pas une mauvaise chose, bien au contraire. Et du coup, bah, Psychos, à ce moment-là, elle pense à la buter pour rompre la barrière. Logique, j'ai envie de te dire, même si certaines barrières tiennent même au-delà de la mort de l'utilisateur, en tout cas de celui qui l'a étendue. Sauf qu'elle tape dans un leurre, et du coup, bah, ça indique sa position à Tatsumaki, bah, qui en profite pour en remettre une couche. Tu vois, voilà, elle est tombée là, les deux pieds dans le plat dans son piège. Et en prime de ça, on a Chevalier Turbine qui se ramène pour aider Tatsumaki à finir le taf, du coup ça promettait. Tu vois, c'est pas passé blablabla des trucs de ouf. Bon, entre-temps, on avait revu des héros genre le roi des goinfres, samouraï atomique, tout ça. Peut-être qu'eux aussi vont contribuer à leur d'une certaine façon à tout ça. On va voir ce que tout cela, bah voilà, comment tout ça va évoluer. Et si pour le coup, ma psycho, c'est vraiment proche de la fin ou si elle peut encore hypothétiquement s'en sortir. Sait-on jamais, tu vois, peut-être avoir un revirement. Allez, c'est parti, let's go. Du coup, c'était à peu près pour ceux qui veulent suivre en même temps que moi sur Scantrad. Je reprends à la page. Allez, page 46. Voilà, comme ça au moins on est raccord par rapport à ça. Tac, tac et tac. Donc, notre cher petit chevalier de Turbine. Il n'arrête pas de débarquer. Ah non, pardon, c'est Psychos là. Ils osent s'opposer au point culminant de mon évolution. Stupides êtres inférieurs. Voilà, toujours un petit complexe de supériorité. Ou d'infériorité, tout dépend hein, comment tu te positionnes, un petit peu des deux. La vraie nature de l'évolution est la rivalité. Et en plus de ça, oui, j'avais oublié de préciser, mais Chevalier Turbine s'est pointé avec, enfin, voilà, avec une arme qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, voilà, pareil de capture de créatures, échec et mat, donc tu vois. Ah, et oui, c'est vrai que le Nyan Cat, il était enfermé à l'intérieur, putain, j'avais même pas fait gaffe à ce petit détail, tu vois, qu'il était resté en bas, donc peut-être qu'il veut faire la même chose avec Psychos, on verra. Mais ouais, Nyan Cat, il avait survécu, bah, c'était lui qui l'avait enfermé. Ça fait déjà pas mal de temps, ça fait peut-être même plus d'un an. J'avais totalement zappé ce fight-là, il était balèze hein, d'ailleurs, lui aussi, rappelez-vous. Et ouais, non, bah, j'aurais bien aimé qu'il claque lui pour le coup de manière définitive. On va voir. Du coup, revenons-en à nos moutons avec notre cher petit Chevalier Turbine. Et putain, c'est dingue, la petite montée en flèche, ça fait un peu comme un ADN. Enfin, je sais pas comment vous voyez le truc, c'est voilà, un effet de style, mais c'est grave, grave, grave stylé, tu vois, avec les deux avions qui s'envolent. Et du coup, Genos qui fait son grand retour, donc qui avait pris pas mal cher, mais voilà, qui est là. Ah ouais, on a pas mal de héros de rang S. Il y a. La punaise y a pris prisonnier, il y a aussi petit empereur. Cool, vraiment qu'on les avait pas vus. Démon cyborg, tu es venu aussi. Je ne vous donnerai les détails plus tard. Je vous donnerai pardon, les détails plus tard. Tatsumaki a piégé le boss de l'association des monstres à l'intérieur d'une immense barrière et mes cavaliers. Oui, ouais, Chevalier Turbine, mes cavaliers. Les deux marches. Tant que vous ne me dites pas Metal Knight, parce que c'est vrai que la confusion se peut souvent arriver avec les deux. Est en train de l'affronter. Tatsumaki aura bientôt atteint sa limite. Je vais y retourner pour la soutenir. De toute façon, au pire des cas, vous savez qui terminera le travail. Hein. Je vous en prie, aidez-nous aussi. C'est pas le moment de rester assis les bras croisés, cette chose est hors de portée, j'imagine que je vais essayer ma lame d'air. Donc je rappelle quand même que Samurai Atomique est supposé être le héros le plus puissant après Tatsumaki. Quoique Bang, il est entre les deux, si je dis pas de bêtises. Bon après, voilà, il a déjà bien fait le café avec son frangin Silverfang, mais bon, à voir. Le roi des goinfres, lui aussi, bon là, bon, écoute, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouh là là. Ah ouais, mais d'accord, il avait gobé des gens pour les protéger. Ah putain, c'est dégueulasse. Ah mais il y a des héros dans le lot, je crois, alors attends, hein? Monsieur Purport, vous avez sauvé tout le monde en les abritant à l'intérieur de votre estomac. Yeah!
Monsieur Purpin, vous avez fini par digérer Monsieur Zombieman, pas vrai? Nah, je suis juste blessé. Ah, il est aussi ressorti dans le lot, parce que c'est vrai qu'il s'était fait éclater lui aussi. Hein, hein? Alors, c'est où sommes-nous? J'ai entendu ton appel, j'ai pu intervenir facilement vu que tu avais rassemblé tout le monde au même endroit. Les autres sabreurs vont bien aussi. Pur porc. Vraiment, je vois. Comment puis-je te rembourser? Je t'en dois une. Pfiou. Toujours avec son bras en main. J'imagine que. Alors attends, je ne suis toujours pas digne de la classe S. Bon, bah, écoute, hein, moi, ça le mérite d'être clair. Alors, c'est bien ce que je pensais, je ne peux pas l'attendre ici. Il va falloir trouver autre chose. Maître? Yay? Ah, bah oui, oui c'est vrai que je viens de me rappeler, mais. Les premiers héros de la classe A, bon, excepté Jolly Mask, qui lui ouais, pourrait avoir le level de la classe S, c'est le tout premier. Bah, tous les autres, c'est les samouraïs de Samouraï Atomique, et c'est vrai que voilà, ils n'ont pas encore le level pour la classe S, même s'ils sont loin d'être nuls. Maître, pardonnez-moi, je suis une merde, on dirait que j'ai réussi à rester en vie. Et tu t'es bien battu. Ah, c'est stylé. Ah, et notre cher petit punaise, maître débardeur, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu lui aussi. Ouais, bah depuis qu'il s'était fait éclater par Garou. Désolé, chaque fois que je le vois, j'ai oublié de penser à ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a besoin d'être secouru? Même en y allant tous ensemble, on n'a pas réussi à faire bouger ses décombres, et lui, comment il a fait ça? C'est la magie, hein? La magie du débardeur. Je kiffe quand Murata prend toujours un malin plaisir à casser les codes et les clichés, il est trop fort pour ça. Ah, Bicyclette Man, alors attends. Master, je suis content que tu sois venu. Je n'ai fait que suivre tes traces. Regardez, un hélicoptère médical! Eh, on est là, il y a des blessés par ici. Ah, et voilà, donc bah, Psycho, c'est. Et mes cavaliers, bah, justement, qui se ramènent. Psycho, c'est en mode avion, hein, quand même, c'est stylé. Ah, et les deux qui vont taper dans la barrière. Wow! Et l'hélico qui est pas loin au-dessus, donc attention à ce qu'ils ne soient pas pris là-dedans. Ah, même lui. Ah ouais, ok, d'accord, il est. Ok. Il y a un mur invisible juste ici. Putain, mais oh les boulets. Boulets, 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 boulets. Alors, waouh, c'était pas loin. Une barrière. Une barrière Tatsumaki est en train de se battre. Elle est immense. La situation doit vraiment être très sérieuse pour qu'elle aille aussi loin. Bah, vu l'adversaire en face, ça se comprend aussi. Max d'éclair, Tatsumaki était-elle dans cette tour? Hein? Ah oui. Rider sans permis, je vais y aller. Oui, Bicyclette Man, je vais y aller pour soutenir Tatsumaki. Toi, reste ici et poursuis les opérations de sauvetage. Donc ouais, bon, c'est un peu plus de la transition, on reste sur les héros. Ah ouais, puis va te démonter l'antenne, au calmer. Trouve un moyen de transporter les blessés à l'hôpital sur le champ. Ah, il veut casser la barrière avec ça? Compris, sois prudent, master. Toi aussi. Et encore une fois, putain, mais le mouvement, le tout, tu vois. Bon, attends, il est vraiment un génie, c'est un délire. Il t'envoie valdinguer ça. Et ah ouais, ok, d'accord. Il s'est accroché à l'antenne qu'il était en train de lancer. Ouais, bah tu me diras, c'est plutôt stylé. Et du coup, ouais, c'est comme ça qu'il va pouvoir grimper. On va voir ce qu'il compte faire, hein, bien sûr. Ça aussi, c'est le pouvoir de son débardeur. Ouais, bah faut croire. Hein. Je crois que je vais emporter. Hein. Ça va pas à tout le monde. Bien, continuons les opérations de sauvetage. Alors, qu'est-ce qui se passe au-dessus? Bah, Tatsumaki, ouais, Genos continue de charbonner. Il coopère. Et putain, le chapitre qui se termine là-dessus. Ah, fais chier. À chaque fois, c'est le seul truc qui est frustrant avec One Punch Man, tu vois. Mais bon. Vu qu'à mon avis, là, voilà, Murata, il les a sortis à peu d'intervalle, tous ces chapitres-là. On va avoir peut-être pas mal de temps sans ce chapitre. Ou pas, hein, j'espère pas. J'espère que là, il est revenu pour un bon moment et que le prochain chapitre tardera pas trop. Et qu'il sera consistant en pages, mais ouais, c'est encore une fois frustrant de s'arrêter là. Bon, allez, on reprend au petit commentaire sans transition. C'est hyper. Le manga de One Punch Man est une pure merveille. Il est tellement sous-coté, on n'en parle pas assez. Ouais, surtout en termes de dessin, c'est clair. Une Tatsumaki aux petits oignons, bah, comme toujours, comme de juste. Hein. C'est bien normal. À mon avis, Psychos avait plus de puissance que Tatsumaki à ce stade, mais elle ne savait pas l'utiliser. Tatsumaki s'est montrée plus expérimentée, voire plus intuitive. Et puis dans One Punch Man, tu t'en rends compte aussi dans le webcomics, il y a aussi la logique de tu ne peux pas tester les gens plus doués que toi dans un domaine depuis la naissance, malgré tout ce que tu peux faire pour les rattraper, voire les dépasser, Saitama étant bien sûr l'une des rares exceptions. Bah oui, bah, ou même ceux qui ont envie de le rattraper, bah, ils ne pourront jamais le faire, tu vois. Donc, voilà quoi. Mais bon, Saitama, c'est Saitama. Pas le héros de ce manga par hasard. Alors, il aurait pu laisser Tatsumaki y aller seul dès le début, faire cette technique et ça aurait été réglé, MDR. C'est pas marrant. Ouais, bah oui, forcément. Tu peux toujours te dire, ouais, si ça s'était passé comme ça et tout, ça aurait été différent. Ouais, mais ce qui est fait est fait. C'est, voilà, si l'auteur a voulu que ce soit comme ça, bah c'est comme ça. Alors, c'est pas censé être drôle quand tu vois qu'elle est capable de faire tout ça à la ville entière. Pékin ne pas la laisser y aller seule. C'est sûr. Je disais juste ça, que ça, alors attends, que ça a trop de cohérence pour que les scénaristes y pensent dès le début. Je rejoins. Ouais, alors, t'as pas tort sur le fond, je rejoins ton avis. Ouais, mais justement, il a évoqué un point très juste par rapport à la cohérence. Tu vois, c'est pas. Pff, je sais pas comment je pourrais l'évoquer, j'ai pas envie d'être péjoratif, mais dans One Punch Man, on cherche plus à parodier, justement, encore une fois, les codes, la cohérence, même d'un certain point de vue, qu'autre chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est quelque chose que j'évoque assez souvent par rapport à One Punch Man. Et souvent, bah voilà, c'est pas le chemin le plus évident qui est choisi. On préfère casser les codes, ne pas se prendre au sérieux
tout en kiffant. Et voilà, c'est pour ça que c'est toujours une excellente parenthèse de se replonger dans One Punch Man. Mais c'est clair que moi, pour ma part, en tout cas, quand je me plonge dans One Punch Man, j'ai pas les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins, même d'un certain point de vue, que quand je lis un shonen neketsu plus classique comme My Hero Academia, Black Clover ou One Punch Man, même dans une certaine mesure Kingdom, tu vois, qui certes est un seinen, mais voilà, qui a de grandes inspirations neketsuesques quand il en a envie. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et ben moi, je vous dis avec beaucoup d'impatience à la prochaine pour la suite de One Punch Man. D'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup de petites choses et je vais vous tourner deux belles petites vidéos. Et il y a des vidéos spéciales aussi qui vont arriver à foison. Certains d'ailleurs ont eu la chance, bande de petits malins, hier matin, de pouvoir la mater en avant-première pour une grosse vidéo qui va pas tarder à sortir. Et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Sur ceux qui l'ont déjà vu ou qui n'ont peut-être pas pu la mater en entier, vous voyez à peu près la teneur de la chose. Donc plein, plein de bonnes choses en perspective. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, faites pas les fous. Salut à tous mes Moogies. Et ça, on en a.